to do their work, ORPA receives support from Catholic Relief Services, UNICEF, Save the Children, and others. And it is run by the Divine Word Mission. Nous pensons qu'il faut aussi éduquer la morale des gens, travailler pour les éduquer à la vie. Les jeunes sont nombreux, même les vieux, ils ont besoin aussi d'avoir une formation. Nous sommes en train d'éduquer, nous sommes en train donc de préparer les gens. C'est pour cela, cet endroit par exemple, si on construisait un centre d'éducation à la vie, si nous construisons les écoles et nous donnons une bonne formation et une bonne éducation, je pense quelque part, il y aura un changement. Et l'État aussi devrait être un État responsable, capable d'assurer une bonne gouvernance et la vraie. Je pense que c'est un travail de tout le monde. In this war-torn nation, there's a great need to repair the widespread social disintegration that has occurred here. This compound used to be a junkyard. In its place, the Divine Word Mission is building an education center where the people of Kinshasa can come to discuss their problems, rethink their lives, and their future. The Catholic Church offers the Congolese people a place to worship. They also provide much-needed education, healthcare, self-help enterprises, and development projects. In order to defray costs, they try to produce as much of their own food as possible. Après la construction de la paroisse, nous avons commencé aussi avec quelques écoles. Nous avons un collège avec aujourd'hui plus ou moins 1000 élèves, garçons et filles, dans deux sections. La section biochimie scientifique et la section commerciale. Quelle est la valeur relative des cadres? Here, students have the opportunity to learn about a wide range of important topics. The illiteracy rate in Congo is high. Only about half the children ever get the opportunity to go to school. Et en plus, nous avons commencé avec une école maternelle depuis 4 ans. The Congolese government has little capacity to address the needs of the people. However, the hearing impaired are able to attend school here and prepare themselves for a life in an uncertain and unforgiving world. Ça, c'est une école de sourds. Hein? Donc, ce sont des sourds qui enseignent d'autres sourds. Ils apprennent aussi le savoir-vivre. Même pendant les messes, ils sont intégrés. Et on peut chanter, il y a quelqu'un qui traduit donc toutes les écritures de la messe. Religion is a very important part of the lives of many Congolese. Social disintegration has resulted from so many years of conflict that Congolese values have suffered greatly. The war has disrupted the lives of 50 million people. With their lives thrown into disarray, confusion, and worse, Sunday Mass offers a rare moment of peace and reflection, helping to bring the people together in fellowship while strengthening community bonds and repairing broken family relationships so that the wounds of war can finally begin to heal.
Music plays a central role in the Mass, providing an uplifting spiritual feeling of much-needed hope and optimism to help the congregation get through what is likely to be another difficult week. D'armes qui se promènent, qui circulent. Et les Congolais, je voudrais dire, les simples Congolais n'ont personne pour les défendre. Et comment expliquer ce pays qui est énormément riche? On m'a dit que c'est un paradis. Et comment vous trouvez les Congolais eux-mêmes si pauvres? C'est pour cela que je pense que les élections peuvent nous amener à un état de droit. On peut trouver des hommes responsables qui peuvent nous aider à cheminer vers le meilleur. Le peuple a besoin de gens qui peuvent créer l'espoir, qui peuvent dire que tout n'est pas fini, qu'un jour quelque chose de mieux peut être fait, que l'homme congolais peut se tenir debout et marcher. Je pense qu'un peuple sans espoir, c'est un peuple sans l'avenir. Et la vie des enfants qui sont abandonnés nous interpelle. On ne peut pas donc lire la parole de Dieu, lire la Bible et rester indifférent à la situation